Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre Steam Deck et dans cette vidéo on va découvrir ensemble comment faire pour optimiser sa batterie, avoir plus de batterie et surtout essayer de prolonger la durée de vie de votre batterie. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Alors premièrement, pour économiser de la batterie, ça va être tout simplement de désactiver la Wi-Fi. Si vous n'utilisez pas la Wi-Fi, vous la désactivez si vous jouez pas en ligne, etc. Et si jamais vous souhaitez quand même jouer en ligne, mais quand même en économisant de la batterie, vous pouvez opter pour ceci, comme moi par exemple. Vous pouvez voir que je suis branché avec un câble internet. Donc j'ai branché à la station d'accueil du Steam Deck et j'ai branché ça par-dessus. Donc là, vous pouvez voir que j'ai pas le logo Wi-Fi qui apparaît, mais je suis quand même relié à internet. Regardez bien, Wi-Fi désactivé. Si par exemple, je lance YouTube, vous allez voir que YouTube va marcher tout simplement parce que je suis sur internet. Donc ça vous permet de bénéficier d'internet mais pas avec la Wi-Fi par câble, donc ça consomme moins et ça vous permet d'économiser de la batterie. Ensuite on peut désactiver le Bluetooth si vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez également activer le mode avion pour pouvoir économiser de la batterie. L'avantage c'est qu'on peut activer le mode avion et bénéficier d'internet si on est connecté avec un câble internet quoi, et ça fonctionne quand même. Ou bien on peut même débrancher le câble et jouer uniquement vraiment hors ligne, sans internet, sans rien. Ça permet encore d'améliorer la batterie. Après on peut désactiver les vibrations du jeu et le retour haptique. Ça peut être un moyen supplémentaire de gagner un tout petit peu d'autonomie. Ensuite on peut aller dans ces options là, par contre là ça va être un peu plus contraignant. On peut aller dans l'overlay et aller ici. Voilà, on peut descendre et on peut choisir la fréquence d'affichage maximum. Si on diminue la fréquence d'affichage maximum ou la fréquence ici par exemple, si je mets 30, ça va permettre d'avoir que 30 FPS en jeu. Et si on a moins d'FPS en jeu, tout simplement les composants de votre Steam Deck vont moins chauffer, vont moins travailler et ça va augmenter un petit peu l'autonomie de votre Steam Deck. On peut également activer ça. Donc ça, ou limiter l'enveloppe thermique, ça permet d'augmenter encore un tout petit peu la batterie. Mais par contre, si on active ces options-là, ça va se faire au détriment d'une perte de qualité d'image. C'est-à-dire que vous allez jouer, mais quand vous allez jouer, l'image va être moins belle, les textures vont mettre un peu plus de temps à s'afficher. Ça peut être contraignant, mais ça permet d'augmenter la batterie de votre Steam Deck. Après, on peut également changer la netteté d'image, mais tous ces paramètres-là, on va dire à partir de là, à partir d'ici, tous les paramètres que vous allez influencer pour gagner un peu d'autonomie, ça va se faire au détriment d'une perte de qualité d'image. Après, on peut également réduire, en allant ici dans paramètres, on peut réduire la luminosité pour gagner aussi un peu d'autonomie sur la batterie. On peut réduire un peu les haut-parleurs audio, donc réduire un peu le son, donc diminuer le volume, ça peut aider à améliorer un tout petit peu l'autonomie de la batterie. Et en fait, toutes ces petites choses qu'on va faire pour gagner, on va dire, un tout petit peu plus de batterie, ça va permettre de prolonger la durée de vie de votre Steam Deck et de pouvoir jouer sur de plus longues sessions. Certes, c'est pas ouf, mais toutes ces choses réunies, ça va vous permettre de gagner de la batterie supplémentaire. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification. Et bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team. Pour retrouver d'autres astuces sur votre Steam Deck, cliquez sur l'épargne numérique. Après vous êtes abonné, bien sûr, rendez-vous dans l'onglet Playlist. Et là, vous allez juste cliquer sur toutes les playlists et chercher la playlist Astuces Steam Deck. Donc pour l'instant, on retrouve que 6 vidéos astuces, mais bien sûr, je remettrai cette playlist à jour avec de nouvelles astuces dans la mesure du possible. À plus la team.